Dans Histoire d'Histoire, nous allons évoquer les Arabes de Nouvelle-Calédonie. Et pour ce faire, nous avons avec nous Nadir Boufnesh qui va nous parler de l'histoire de sa famille. En 1871, l'Algérie est un département français quand éclate une violente insurrection en Kabylie. Un soulèvement qui sera sévèrement réprimé par l'État français. Après 4 mois d'une traversée épouvantable, les premiers Arabes arrivent au bagne de l'île des Pins. Après les déportés politiques, viennent s'ajouter les détenus de droit commun, les transportés. Au total, 2106 Arabes, dont la majorité originaire d'Algérie, seront envoyés en exil en Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, Belkacem Boufnesh, qui n'a pas encore 15 ans. Son arrière-petit-fils, Nadir Boufnesh, nous raconte son histoire. La famille Boufnesh, la famille Taïb Ben Mabrouk, on vient bien sûr d'Algérie, de Kabylie, de El Mia plus particulièrement. La famille Boufnesh est une famille qui a été déportée bien sûr du bagne, arrivée ensuite une concession à Nissadiou, ici même. On l'appelle aujourd'hui la Vallée des Anges, qui a été baptisée, rebaptisée. Toute la famille Boufnesh maintenant y réside, et puis on est fiers de l'être. Boufnesh n'a pas peur de parler de notre histoire. Parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Toujours mon grand-père, toujours été humble. Puis mon grand-père buvait le café, buvait le thé, buvait du lait. Et puis autour d'un café, ben, ils racontaient leurs histoires. Donc, c'est comme ça que j'ai pu connaître sur les genoux, parce que mon grand-père, il me mettait toujours sur les genoux, il tapait deux genoux. Puis il disait à ma grand-mère, Ninen, allez, elle a amené le café. Puis moi, j'écoutais les histoires des vieux, le vieux Larbi, qui était marié avec la soeur de ma grand-mère, le vieux Benyamina, qui était marié avec une soeur de ma grand-mère. Donc tout ça, ça a fait qu'on a des connaissances du passé. Quoi. Alors comment s'appelait le premier Boufnesh à arriver en Nouvelle-Calédonie? Donc c'est Ahmed Belkacem Ben Ahmed Boufnesh, qu'on voit ici. Là. Il est ici, là. Il est ici. C'est d'accord. Le plus noir ici, c'est Taïb Ben Mabrouk, c'était son beau-père à mon grand-père, qui est donc le père de ma grand-mère, qui était déporté. Et à côté, vous avez la déportée, Madame Claire Moreau, qui a fait partie de la déportation des intellectuels de Paris, qui s'est mariée ensuite avec Boufnesh, qui a eu ensuite mon grand-père, et donc suite les générations qui ont suivi. Quoi. Voilà. Donc mon arrière-peur, ce qu'on a pu entendre, hein, parce qu'ils étaient humbles et parler de leur histoire, c'était complexe. Et c'était difficile surtout parce que quand ils le parlaient, ils avaient les frissons et les larmes aux yeux. Le peu que j'ai pu entendre de mon grand-père disait que la vie n'était pas facile et que son père a été déporté dans des conditions un peu injustes. Parce qu'en fin de compte, il n'avait pas fait grand-chose lui. C'est ses frangins qui avaient fait plutôt des erreurs. Je ne sais pas quelle erreur, je ne veux pas m'avancer dessus. En tout cas, c'est lui qui a payé cette pénitence. Voilà. Donc il s'est dénoncé pour les autres parce que ben, ses frangins avaient des enfants là-bas, donc c'était normal que celui qui n'avait pas d'enfants, pas de femme, parte un peu à la place des autres. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé ici. Donc c'est simple l'histoire de Boufnesh, comment Boufnesh Taïb Ben Mabrouk est arrivé ici. Quel âge avait-il, pardon ? Il avait 14 ans quand il est parti d'Algérie. Mon arrière-grand-père, avant que le bagne ferme en 1926, ils avaient proposé à ces Algériens déportés de repartir en Algérie. Donc certains sont repartis, mais non, c'est pas reparti. Donc ils ont proposé de se marier. Donc comme il y a eu la déportation des intellectuels à l'époque, qui étaient au couvent au foyer Némerara à Bouraille, donc c'était à Bouraille en plus le couvent, donc ils pouvaient aller se marier avec une femme qui choisissait là-bas en 15 minutes, que l'histoire raconte, hein, moi j'étais pas là, ce qu'on a entendu, hein, oui, et ce qu'on répète. Et donc mon arrière-grand-père, apparemment, il a été choisir une femme là-bas, donc dont mon arrière-grand-mère, et après ils sont venus sur Bouraille. Donc quelles circonstances, Inch'Allah, je sais pas pourquoi. Ils sont certainement venus ici parce qu'il y avait déjà une communauté arabe. Certainement. Ouais. Donc suite à ça, ils ont eu encore des lopins de terrain, ils ont commencé à travailler, tout ça, et ils ont créé leur vie, quoi. Donc ils sont devenus charpentiers, forgerons, et à partir de là, ben, ils se sont construits et nous ont construits en même temps. Mon grand-père, quand il a donné ses enfants, et pareil, ils ont dit non, vous donnez pas des prénoms arabes à vos enfants, ils dit quoi? La seule chose qui me reste dans mes entrailles, c'est mon nom et mon prénom. Mon fils, il sera après Abdelkader, mon père, François.
Toto, c'est Taïeb. Coco, c'est Mohamed. La dernière fille s'appelle Zora. Et c'est pour ça que moi, je prends des prénoms arabes. Moi, ma fille s'appelle Sherazade Nadir. Mm. Parce que c'est la seule chose qui peut encore nous démarquer. Nous démarquer, c'est-à-dire que si demain, même que dans le physique, même que dans notre façon de nous comporter, on ne nous reconnaît pas, mais dans le nom, on nous reconnaîtra d'où on vient. Mm. C'est ça un peu l'image qu'on doit donner à nos enfants. Mm. Une quête d'identité qui mènera Nadir et sa famille jusqu'aux racines de son histoire, à 20 000 km de Bouraille, en Algérie. Donc j'avais organisé ce voyage avec mon père et mon frère. Je voulais vraiment y aller. Et là, on a été vraiment la source de la famille Boufnèche, quoi. Donc là, ici, par exemple, on arrive sur la terre des Boufnèches. Voilà, là, c'est dans la montagne. Et là, il y a des Boufnèches qui débarquent de partout. Parce qu'on arrive à l'endroit voilà, où il y a mon arrière-grand-père a grandi jusqu'à l'âge de 14 ans avant sa déportation, quoi. Et là, ce qui nous choque, c'est qu'on voit des Boufnèches, mais des rouquins, des blancs, des noirs. Ça veut dire que, vous voyez, déjà là, il y a une coloration, une pigmentation de la peau. C'est-à-dire qu'on n'est pas de la même couleur, quoi. C'était ça qui était génial. Et là, il y a le vieux, là, qui a 86 ans, le plus ancien. C'est lui qui nous dit qu'on est sa vraie famille, sa vraie souche, quoi. Là, il y a le père et le fils, quoi. Et là, ouais, tout ce quartier, dans ce bled, on est arrivé là, c'est que des Boufnèches et tout le monde vient nous serrer dans ses bras, nous dire qu'il nous aime, qu'on a un morceau de terre, qu'on est les bienvenus. C'est magique, quoi. Il n'y a pas de mots, quoi. Voilà la source, cette source-là. La source où tous les Boufnèches sont venus boire. Voilà. Elle coule de la montagne, et là, mon père est en train de boire. Là, avec tous les Boufnèches, regarde, il y a mon frère, là, et on boit tous à cette source. Et tiens, le vieux, il est parti s'écarter parce qu'il a les larmes aux yeux. Ils ont tous les larmes aux yeux quand on vient boire cette source parce que personne ne pensait qu'un jour, les Boufnèches qui ont été déportés, un jour reviendront boire cette source qui est magique, quoi. C'est phénoménal, quoi. Et voilà, ouais, là par contre, voilà, c'est un moment intense. Là, on est tous là sur la plateforme de l'arrière-grand-père. Et là, on rigole, tout, mais il y a un moment, ben. Juste avant, c'était difficile, quoi. Là, on part, parce que vous voyez, là, c'était un moment où le vieux nous a parlé. Là, je vois mon frère, il part dans un quartier avec les larmes aux yeux. Mon père, d'un côté, on s'écarte parce que c'était tellement émouvant que là, on ne peut pas rester. Et là, vous voyez, il y a encore des autres qui débarquent. C'était très, très dur, mais c'est magique, quoi. Je ne regrette pas d'avoir organisé ce voyage avec mon père et mon frère, quoi. Alors, j'avais amené ma casquette d'entreprise Boufnèche. Le vieux dit non, c'est pas Boufnèche, c'est Bouffennèche. C'est mon frère, il a tristé. Là, mon frère qui est en larmes, c'est très très dur. Voilà. Là, on descend, là. Voilà, vous voyez, voilà la maison de l'arrière-grand-père. Il habitait ici. Vous voyez ce style de maison. Mais là, sa maison, elle est encore existante, elle. Et c'est là que le vieux nous disait cette maison nous appartient. Ce quartier général, comme il l'appelle, il dit ça c'est chez vous, ça. Il a dit demain vous revenez ici, ça c'est à vous, ça c'est votre famille, c'est votre souche, c'est chez vous, ça. Là c'est pareil, tu vois ces arbres qu'il a plantés, ça on marche sur les souches, sur le chemin. Alors ces vieux quand ils nous parlent, il y en a un, lui il parle super bien français, les autres il y en a un ou deux qui parlent français, il y en a qui parlent algérien. Toujours avec toujours cette humilité. Il y a un truc que j'ai bien aimé sur ces gens-là, c'est que c'est dur, hein, attention, on les voit comme ça, il a une belle chemise là. Hein. Mais alors, on a été à des endroits où il y a une boucherie. Il y a une boucherie à côté de Jidjel qui est fait fier de nous montrer sa boucherie. Et la boucherie comparée ici, c'est pour eux, c'est une grande fierté. Mais c'est la misère, quoi. Je sais pas. Et le mec, on a été reçu dans ses familles. Le mec, il avait un mouton, il l'a tué pour nous faire manger. On était là-bas, je vais vous dire, le truc qui m'a choqué, c'est qu'on est assis par terre. Et t'as les femmes qui viennent nous mettre des coussins, des machins. Et c'est comme si on était des pachas. Et madame, non. Mm-hmm. Mais on était des rois, on n'a pas le droit. Si on a, alors, tout juste, ils nous. Ouais, là, on était des rois, quoi. Et. C'est que, pourtant, les gens ne nous connaissent pas. On n'a ni d'Adam ni d'Ève. Nous servent, ils ont le. Ouais, c'est. عندهم البقري عندهم الخيل عندهم
Vous voyez, moi, j'ai gardé ça, je ne voulais moins le montrer à personne parce que c'est ma vie, ça. Si des fois, dévoiler sa vie, c'est difficile. Ça, c'est, ça m'appartient, ça, moi et mon père et mon frère. Là, je vous le montre parce que je pense qu'à un moment, ben... c'est un truc que je voulais... Même personne n'a vu ce film-là. Je suis le seul à avoir vu ces films-là. Ça, je suis le seul. J'ai fait des films, moi, et c'est pareil, l'arbre que j'ai fait, que j'ai construit... Je l'ai gardé pour moi parce que, je sais pas, pour l'instant, j'avais pas envie d'en parler. Parce que à chaque fois que je vois ces films, je suis attristé. Tu vois, là, quand je vois le vieux, là, ces images, c'est comme si c'était hier. Je vois qu'on en discutait quand le vieux était là-bas, parce qu'à un moment, on parlait de l'arrière-grand-père, ben, il est parti parce qu'il avait les larmes, il avait le chagrin en permanence. J'ai vu ce vieux pleurer de toutes ses larmes, inondé de larmes, parce que c'était trop dur pour lui. Puis ils nous posaient des questions, comme vous. Comment il était le grand-père? Est-ce qu'ils ont souffert? Parce que leur vraie question, est-ce que votre grand-père a souffert? Est-ce qu'il a eu une vie difficile? Comment il a vécu, quoi? Donc il fallait lui raconter. C'était dur, certainement, très très dur. Mais ils l'ont accepté. Moi, mon grand-père, il me disait que c'était une vie qu'il fallait accepter et il faut en voir passer. C'est l'histoire. L'histoire a fait que. Et qu'on doit. Ben, c'est le destin. Les Arabes, ils disent, c'est le destin. Donc, c'est le bon Dieu qui a décidé qu'un jour le destin serait cette histoire. Donc, tu peux pas, si tu es croyant et tu es musulman comme Jésus, tu peux pas en vouloir à ta vie. C'est comme ça. C'était marqué le Mektoub. Donc, les gens acceptaient leur destin. Il y a des gens peut-être qui connaissent peut-être mieux l'histoire que moi, qui ont peut-être mieux la raconter aussi. Hein. Bon, moi, la chance, j'ai un petit vécu. Donc, mais chacun met sa petite pierre à l'édifice, on peut en faire l'histoire, mais avec des faits concrets. Mmh. C'est pas de raconter une histoire pour dire que demain, voilà. Nous, on la raconte parce que voilà, moi, c'est par rapport à mon père, mon grand-père. Salut. Voilà, ça, c'est à Paris. Vous voyez là, on a retrouvé la famille à Paris. Et ça, c'est du côté de ma grand-mère, famille Bebrak. La vraie famille, amie, tout ça. Et là, je retourne à Paris dans 15 jours. Ce paradis. Ces gens-là, ils veulent même pas que je vais à l'hôtel. Mais ils sont humbles, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est des gens mais formidables. C'est pour ça que j'ai la chance que j'ai retrouvé les deux côtés de ma famille. Hein. J'étais en Algérie sur la famille Mebrak et la famille Boufnèche. Quoi. Mais je veux dire, j'ai connu même l'arrière-grand-mère déportée. C'est pas n'importe qui en Calédonie qui peut dire j'ai connu mon arrière-grand-mère déportée de la commune. Il n'y en a pas beaucoup. Quand je dis ça à des gens, ils ne veulent pas me croire. Mais je dis si. J'ai connu mon arrière-grand-mère. Et cette arrière-grand-mère bretonne, c'était une figure. Claire Moreau était une déportée politique, une communarde proche de Louise Michel. La mère bretonne, donc elle vivait en haut, là. Elle a une petite maison là-haut, moi, que j'ai bien connue, parce que c'est mon grand-père qui a construit la maison. Et de ma grand-mère, c'est qu'elle nous apportait des avantages, elle était intelligente, elle était instruite. Donc elle nous apportait, on faisait nos leçons avec. Les premières paroles que je me rappellerai toute ma vie, toujours elle me chantait ça. Petit Jésus, en allant à l'école, portons sur ses deux épaules, une croix sur ses deux épaules. C'est-à-dire qu'elle était quand même très catholique. Ah bah oui. Voilà. Mais jamais une seule fois, elle nous a... Voilà, on était côté vraiment quand même assez musulmans. Quoi. Oui. Voilà. Même qu'on n'était pas pratiquants. Mais tu vois, là, il y a une chose que j'ai appris, mon grand-père. Ashhadu la ilallah ou ashhadu anna muhammad rasulallah. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alayhim, Ghayril Maghdubi 'Alayhim wa Ladzina Sakalla wa Ladzina Amin. C'est la sourate qu'il faut retenir quand tu es bon, quand tu es croyant. Pour pratiquer le culte musulman, depuis 1997, il y a une mosquée à Bouraï, où nous retrouvons le père de Nadir, Abdelkader Boufnesh. Tous les vendredis, il y a la prière du vendredi à midi, 1h20 exactement. Et le soir, on vient là, toutes les familles qui viennent, chacun fait à manger, et on mange ici. Et ça a étonné les gens de Paris. Et ils ont dit, mais c'est formidable, ce système que vous faites tous les vendredis, on va le faire en France. Et le vendredi, on va faire des repas, comme ça, on va mieux se connaître. Nos femmes, toutes les familles mangent là, mais
On est tout le temps là, plus les étrangers. On arrive à un étranger qui passe, ben il mange avec nous. Et puis des fois, on fait des couscous avec un Marocain. Des fois, on fait aussi que les... il y a beaucoup de militaires qui sont sur les bateaux de guerre, des Arabes. Des Algériens, ils viennent manger avec nous aussi. Et puis les maîtres d'école qui sont dans le nord. Alors qu'à ce moment-là, quand il y a le carême, on est peut-être 70, 80, mais sur ça, on est à peu près une vingtaine sur Nessane du Bouraï. Et l'imam de la mosquée de Bouraï, c'est Yael Boufnesh, le frère de Nadia. L'imam, c'est Yael, mon fils. C'est lui qui fait l'imam, il a appris, il lit l'arabe, mais il connaît faire les prières par cœur, c'est lui qui fait aussi les enterrements. Il lit l'arabe, mais il ne comprend pas après. Mais question de prière, il a été à Fidji, il a été en France, il a été en Australie, ce qui fait que, et puis il apprend beaucoup à Nouméa. Yael, lui, alors, il suit à 100%, pas d'alcool, pas de cigarettes. Lui, c'est vraiment l'imam, le vrai. Lui, il est droit, quoi. Donc là, on arrive au cimetière des Arabes, cimetière de Nessadiou. Cimetière où les vieux ont construit ce cimetière pour tous les vieux déportés, quoi, au départ. Donc là, on est sur une tombe, là. Ça, c'est mon oncle, c'est le frère de mon père, Taïeb. Vous voyez, par exemple, ce portail, là, cette étoile, c'est lui qui l'a faite. Donc moi, j'étais gamin avec mon grand-père, avec ma grand-mère. On venait, on passait la faucille. Nous, on est deux, on s'amusait, on prenait des engueulades parce qu'on montait sur les tombes comme les gamins, quoi. Mais on participait à nettoyer ce cimetière et l'entretenir. Et le midi, après, on allait là-bas et on mangeait une boîte de sardines avec un morceau de pain. C'était une enfance tranquille, quoi, paisible. C'est des bons, très, très bons souvenirs, quoi. Donc là, il y a beaucoup de grandes familles. Les Benama, les Bahim, les Larbi, les Mistoura. Voilà. Donc là, ici, on va aller sur la tombe de Taïeb Ben Mabrouk. Ça, c'est le déporté, côté de ma grand-mère. Et donc là, vous avez mon grand-père, ma grand-mère, le père et la mère de mon grand-père, Zora et Ahmed. Ça, c'est les deux personnes les plus importantes aujourd'hui qui m'ont donné tout leur savoir et leur sagesse. Si aujourd'hui on a des terrains, si aujourd'hui on a un savoir-vivre, si aujourd'hui on a une culture, c'est grâce à ces vieux qui ont trimé. Si aujourd'hui je pense que j'ai une réussite professionnelle, à petite échelle, toujours en étant humble, mais je le dois à ces gens-là. Je le dois à mon grand-père, ma grand-mère. Vous voyez ce tambour-là, mon père est allé, alors c'est un grand marabout, c'est des moulets. Voilà. Et puis quand on avait une maladie, souvent les gens disent ça, quand ils avaient une maladie ou quelque chose à demander à Dieu, entre guillemets, ben ils allaient voir Sidi Moulay. Sidi Moulay, voilà, donne-nous la chance, ou fait que mon grand-mère elle guérisse, ou mon grand-père, voilà, ben, il faisait des serments, voilà, entre des pactes entre lui, parce que c'était un grand, grand marabout. Ben, c'est un cimetière arabe, comme dit, c'est vrai que les premiers qui étaient enterrés ici, c'était des vrais Arabes, c'était les déportés, c'était des musulmans, les vrais, quoi, c'était là. Mais c'est vrai qu'après, ben, on sait que le temps... On doit s'adapter, le temps évolue, le monde évolue, les coutumes évoluent, il ne faut pas croire, on ne doit pas rester stagné avec des œillères. Donc c'est pour ça que vous trouvez des gens qui sont catholiques dans ce village, qui ont été catholiques. Mais tant qu'on reste dans le respect, je dis tant qu'on reste dans le respect, ben, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Autre héritage de leurs aïeux arabes, la passion pour le cheval. Chez les Boufnesh, on pratique l'équitation depuis toujours, de père en fils. Voilà, ça, c'est un de mes chevaux, là, à l'époque, quand je faisais en 92, je faisais du stock et du parcours épique. Oui. J'étais pendant quand même 3 ans avec ces chevaux-là, meilleur cavalier, meilleur cheval de stock, avec mon grand-père ici dessus, là. Puis ils étaient surtout fiers quand j'arrivais, puis j'avais gagné une course, parce qu'ils étaient là, puis moi j'étais en bas. Et ma grand-mère disait, Ahmed, le gosse, il arrivait, demande le résultat. Mais j'ai gagné, alhamdoulilah. Mais avant, il y avait un dattier mâle ici. Donc nous, on mangeait les dattes. On cassait les branches et on mettait sur la toiture pour que ça brûle au soleil et puis on mangeait les dattes. On avait un dattier. Et ça, c'est ma grand-mère et puis mon grand-père. Il y en a un autre en bas, mais l'autre, il n'a jamais rapporté. Celui-là, là, il a toujours rapporté des dattes. Toujours. Comment les dattes sont arrivées en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, elles ne sont pas arrivées par le Saint-Esprit. Donc le grand-père disait, oh, tu vois un pied de dattier, c'est qu'il y a un arabe qui a laissé sa graine. Il est arrivé d'Algérie avec la graine dans le ventre, celui-là. C'est comme ça qu'on imagine, tiens, là il y a un vieux arabe qui arrive avec la graine du ventre. Elle a fait que l'avant.
Et ça, ça te donne de l'amour, c'est ce genre d'animaux. Ah là là, il manque plus que la parole. Ça. Ah, ma fille. C'est bien quand les enfants ils prennent la relève. Hein. C'est surtout une grande fierté pour mon père parce que c'était son rêve d'avoir des chevaux de course, mais à l'époque c'était très difficile d'avoir des chevaux, ça coûtait tellement cher. C'était un privilège réservé aux richissimes de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, voilà, même quand venons de bas de l'échelle, on a pu avoir des chevaux de haut de gamme et c'est une grande fierté surtout pour mon père. Et pour mon grand-père, parce que je pense qu'il nous regarde hein, de haut, de là-haut. Hein, et s'il nous regarde, vraiment, ouais. Je pense qu'il en est pour quelque chose. Quoi. Il y a sa petite étoile qui doit briller sur nos têtes en permanence. Quoi. C'était difficile, hein. Les gens n'arrivent pas à le croire. On n'est pas des familles riches, on n'avait même quasiment rien. Mais dès qu'on avait un franc, moi je voulais toujours gagner. Mon premier sou, c'est pour donner à mes parents parce que je voulais que mes parents soient améliorés leur quotidien. Si moi j'aurais le temps, parce qu'ils ont tellement donné pour nous, les enfants. Et j'ai dit, le jour que je gagne un peu d'argent, c'est pour mes parents, le premier. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, moi aujourd'hui, ma grande fierté, c'est quand mon père, je peux lui acheter une voiture, quand mon père, je peux l'aider financièrement, quand mon père, il vient me voir ici, puis il me donne encore des conseils. Voilà, ça, et c'est ce regard et cet amour d'un père et d'une mère qui peut m'apporter. Je pense que c'est la plus grande chose, la plus grande joie de vie. Voilà, c'est ça, je pense que, je crois que les parents, quand tu peux rendre fier à tes parents et puis qu'ils sont fiers de toi, je pense qu'il n'y a rien de meilleur. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me touche. J'adore mes parents. Mais ma famille, c'est... Même qu'on ne parle pas, parce qu'on ne parle pas chez nous. Mon père, il ne parle pas. C'est comme mon grand-père. Avec moi, il parlait, mon grand-père. Mais mon père, avec nous, on est là, on va toujours se dire bonjour. Mais on sait dans le regard qu'on s'aime, quoi. Mais des fois, j'ai envie de lui dire qu'on l'aime, mais c'est dur. Hein. Parce que c'est comme ça, c'était une époque difficile. Hein. Quand je parle à mon père, des fois, j'ai envie de le serrer, quoi. Parce que c'était une. Ça a toujours été difficile. Mais on sait. Et puis quand je sais qu'il est heureux, ben, je suis heureux. Surtout quand il commence à vieillir, tu commences à prendre de l'âge. Et ben, tu vois que ben, les années ben, se raccourcissent. Et puis ben, tu vois les enfants grandir. Tu dis ben, combien de temps encore à profiter. Et puis bon, on essaie de leur donner le meilleur de nous. Quoi. Profiter de ces moments. Quoi. Là, ce matin, il était avec moi. Là. Ben, tout à l'heure, je l'ai appelé. Ben, on s'appelle quand même. Hein. On s'appelle, il vient me voir. Mais c'est... émouvant quoi, il n'y a pas de mots pour ça, personne ne peut parler, c'est intérieur. Voilà. Et voilà, c'était un aperçu de l'histoire des Arabes de Nouvelle-Calédonie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos histoires sur les réseaux sociaux. À très bientôt !